His problems are with a vile sleeper for Filippo Gregoroni and unnamed, heading towards the first water jump. Problems are with fence A, B, and C of the water jump. Now he's on his way off to Hago du Harrier de la Comcom. Deux évents du Crédit Mutuel, le dormeur Duval franchi, ainsi que l'atelier du peintre, l'obstacle numéro 7, Filippo Gregoroni et Unnamed se dirigent maintenant vers le Rago du Allier de la Comcom. On est sous les ordres et top, c'est parti. Bonne route, Jeanne, bonne route à Wellenschanita. C'est la France qui vient de prendre le départ à bord des franchistes, le premier obstacle, les Tours FFE. Best of luck to One and Shining Star and Jeanne Rosset for France, who've jumped the first fence on cross country, whilst Unnamed and Filippo Gregoroni for Italy, coming into fence 10, clear over the first 9 fences. So this is the Pays de Loire Garden combination. Combination of cucurbitacee, lovely autumn fence with pumpkins and all kinds of beautiful cucurbitacee. Rien à signaler sur le Rago du Allier de la Comcom ni sur l'Estal du Hara pour Filippo Gregoroni et Unnamed. Pour aborder maintenant et franchissent à l'instant le Jardin des Pays de la Loire, se dirigent vers le pique-nique à Varennes. Alors que les Tours FFE, le Lièvre et la Tortue Fiduciale ont été bien franchis par Jeanne Rosset et Welland Shining Star. Chaîne concurrente à prendre le départ pour la Grande-Bretagne montant Moonlight Charmer, c'est Laura Collette. Moonlight Charmer, un cheval de sport irlandais par Obos Quality et Enchanted, propriété de Charlotte Eber-Percy, Teresa Stopford, Sackville. Laura Collette, vainqueur des CCI 4 étoiles de Bokello, Little Downham, Chatsworth, vainqueur des CCI 3 étoiles de Blenheim, Hutton Hall et Balin Denisk. C'est sa 6e participation au Mondial, dont une victoire en 2015. Look at cross-country. Our Italian couple Unnamed and Filippo Gregoroni have cleared the first 12 fences and are coming to the Owl's Perch. Jeanne Rosset, well and Shining Star, have cleared the first 4 fences, heading now towards the Violin. And next to start on cross-country, Laura Collett for Great Britain, riding Moonlight Charmer, an Irish sport horse, by Obos Quality and Enchanted, owned by Charlotte Percy and Teresa Stopford Sackville. Laura won the CCI 4-star of Bokello, Little Downham, Chatsworth, won the 3-star CCI of Blenheim, Houghton Hall and Balin Denisk. This is her 6th participation here at the Mondial de Lyon, and she won in 2015. Jour de bonnes nouvelles de Filippo Gregoroni et de Unnamed pour l'Italie. Bien négocié. L'Estal du Hara, le Jardin des Pays de la Loire, le pique-nique à Varennes, le Manège de l'Anjou, le perchoir du Hibou Crédit Agricole et l'Observatoire Obstacle numéro 14. Alors que sur la première phase du parcours, pas de problème pour Jeanne Rosset et Welland Shining Star. Le Cèdre, le Sporty FCE, Cordes et Vents du Crédit Mutuel et le Dormeur du Val n'ont posé aucun problème à Welland Shining Star. A French couple, One and Shining Star and Jeanne Rosset, after a bit of a hop in the water jump, fence 7 ABC, now heading towards the Rago du Harrier de la Comcom. Our Italian couple, Filippo Gregoroni and Unnamed, are coming on to fence 17, the hedges of the Ile-Brion, and best of luck to Laura Collett, just starting on cross-country for Great Britain with Moonlight Charmer. Elle vient de prendre le départ et nous lui souhaitons bonne route. C'est Laura Collett, elle monte pour la Grande-Bretagne. Moonlight Charmer. Laura qui est 6e à l'issue de dressage 31-40, elle court pour la première place au classement provisoire et elle rentre dans le temps de 9 minutes et 19 secondes. Jour de bonnes nouvelles de Filippo Gregoroni et Unnamed. Le couple est sans incident jusqu'à l'obstacle numéro 16, a donc bien franchi le manège de l'Anjou, le perchoir du Hibou Crédit Agricole, l'observatoire, la partie de pêche Pomme Évasion ainsi que le Phénix Petit Location.
tandis que Jeanne Rosset et Welland Shining Star sont sans incident sur le Dormeur du Val, l'Atelier du Peintre, le Ragot du Hallier de la Comcom et le 9e obstacle, les Stalles du Haras. No problems over the Leon Longer Lion for Filippo Gregoroni and Unnamed, heading towards fence 19 now, the Forestier Cottage, whilst Jeanne Rosset and Welland Shining Star for France have cleared the first 11 fences and are heading towards the Manège Anjou, and Laura Collett and Moonlight Charmer have cleared the first 3 fences on the way to the Sport IFCE. Pas de problème sur les stalles des Haras et sur le Jardin des Pays de la Loire, la combinaison ABC, pour Jeanne Rosset et Welland Shining Star, alors que Laura Collette et Moonlight Charmer viennent de franchir le Cèdre. L'obstacle numéro 3 se dirige vers le Sport IFCE, alors qu'on en termine de l'autre côté avec Filippo Gregoroni et Unnamed, sans incident sur le Félin du Lion d'Angers, le Cottage Forestier, les Lumas de la SH.